Accélère, Sora. Halt, Ronin. Que cherches-tu ? Je ne suis pas un Ronin. Mon nom est Jin Sakai. Un samouraï ? Dame Sanjo souhaite à vous voir. Elle supervise la crique d'Umugi. Je vous en prie, suivez-moi. Par ici, monseigneur. Vous devez vous entretenir avec Dame Sanjo. Seigneur Sakai, voici Dame Sanjo. Bienvenue dans la crique d'Umugi. Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas, à boire sa troisième bouteille de saké. Vous pouvez aller lui parler. Merci. Revenez me voir une prochaine fois. Je pense que nous pourrions nous entraider. Vous devez être Goro. On doit tous être quelqu'un. Et vous, qui êtes-vous ? Le seigneur Sakai. Bah, tous les samouraïs sont morts. Moi, je suis encore en vie. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Le seigneur Shimura souhaite que vous honoriez votre dette. Il est en vie ? Et que veut-il ? Il voudrait envoyer un message au shogun. Ce genre de course valait très cher, même avant le barrage des Mongols. Vous avez une dette envers mon maître. Elle sera effacée. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Après la bataille de Komoda, j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura effacée. C'est pour cela que je buvais. Pour fêter votre bonne fortune ? Je pleurais les samouraïs. Ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi. Ils avaient juré de défendre tous les habitants de Tsushima. Même vous, Goro. Je ne suis pas sûr de pouvoir honorer leur sacrifice. Mon maître ne ferait pas appel à vous s'il ne vous faisait pas confiance. Je suis prêt à me battre contre n'importe qui. Ici, c'est chez moi.
ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol. Vous avez le message du seigneur Shimura. Il vous le remettra dans son camp, sur la côte à Akashima. Ah, d'accord, ça me va. J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mitodake. Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière. Allez, ouvre, Goro! On ne partira pas sans l'argent que tu nous dois! Attention. Je n'ai pas appelé de Ronin. Monseigneur, que voulez-vous à Goro? C'est privé. Nous reviendrons! Quelqu'un a vu ma fille? S'il vous plaît. Quelqu'un a vu Kumar? Kumar, où es-tu? Seigneur Sakai, tu étais destiné à porter cette armure au combat. J'espère en être digne. J'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi. Était-il ivre? Il ne l'est plus. Il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île. Goro manque de raffinement, mais nul ne connaît la mer mieux que lui. Ces hommes porteront votre message? Absolument. Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux. Ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts. Goro est paré. Il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau. Nous chevaucherons quand le moment sera venu. Pour le moment, prépare-toi au combat. Oui, mon oncle. C'est l'heure. Allons-y, en selle. Nous sommes prêts, monseigneur. Ouvrez l'œil. Trouvons notre contrebandier. De toute évidence, tu veux me poser une question. Je t'écoute. Comment avez-vous rencontré Goro? Je l'ai surpris vendant de la soie chinoise interdite par le Shogun. J'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir. Vous auriez pu le faire fouetter, mais vous avez vu une autre voie. Un marin expérimenté peut s'avérer utile. Les Mongols ont de nombreux bateaux. Goro pourra-t-il leur échapper? Il n'a pas le choix. Que ferons-nous s'ils nous atteignent, monseigneur? Ne crains pas la mort, Kotaro. Sois courageux. Et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats. Seigneur Shimura! Goro, où se trouve ton bateau? Par ici. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur. Je te remercie d'honorer ta dette envers moi. Je vais faire de mon mieux, mais j'ai bien peur que les Mongols me coulent avant que j'atteigne le large. Beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux. Peut-être pouvons-nous détourner leur attention. Pied à terre. Nous allons marcher. Le fort de Mitodake. Mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa.
Elle est aux mains des Mongols. Imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront. Si nous faisons assez de bruit dans le fort... L'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau. Goro, nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort. Lève l'ancre au son des combats. Monseigneur, vous serez tué! Occupe-toi de délivrer mon message. Les chevaux pourraient nous trahir. Nous irons à pied, Seigneur Sakai. Les armées mongoles sont redoutables, mais notre attaque les prendra par surprise. Prions pour que ce soit le cas dans le fort. Ils sont plus nombreux, mais ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps. Combien de temps aurons-nous l'avantage de la surprise? Jusqu'à ce que nous voyions l'ennemi. Ensuite, nous frapperons. Mongols droit devant. Nous pouvons les éviter. Détourne-toi de l'ennemi et tu mourras un sabre planté dans le dos. Tsushima! Mon oncle, tue d'abord les plus forts. Je suis fier de combattre à tes côtés, Jim. Vois comme l'ennemi te craint. Tu es un vrai guerrier. Merci, mon oncle. Reste sur tes gardes. Les archers, à couvert! Sans tout le tir! Lâchez cette porte, Seigneur Sakai! Avec moi! Semons le chaos dans le fort! Les navires mongols doivent se concentrer sur nous, pas sur Goro! Imagine!
Wacha. C'est notre nouvel objectif. Direction la tour, Kay. Qu'ils meurent tous. Décime-les, ne t'arrête que pour tuer. De Goro. Ils ont gagné du temps, mais pas assez. Les Mongols les ont vus, et leurs navires de guerre sont plus rapides. Nos hommes sont sans défense. Non. Ils nous ont, nous. Et nous avons un Wacha. C'est l'arme de l'ennemi, pas des samouraïs. Le plus important, c'est de sauver nos hommes. Sais-tu au moins t'en servir? J'apprendrai. Détruis les navires mongols. Je me charge des gardes. Mon oncle, nous ne mourrons pas ici, mon garçon. Les Mongols envoient des troupes d'abordage. Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro.
Fantastique! Les bateaux mongols sont en feu! Ce n'est pas fini! Goro doit les distancer! Gol envoie des troupes d'abordage. Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro. Fantastique. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer. Gol envoie des troupes d'abordage. Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro. Fantastique. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer. De Goro brûle! Il n'y arrivera pas! Protège-le! Nous ne pouvons pas échouer! Vous avez réussi, Goro. Allez guérir l'aide du Shogun. Nous avons réussi. Je n'en doutais pas. Tu as encore prouvé que les Mongols n'étaient pas invincibles. Vous m'avez entraîné. Je ne pouvais vous décevoir. Tu ne m'as jamais déçu. Je suis fier du guerrier et de l'homme que tu es devenu. Jin, mon message au Shogun incluait une annonce importante. Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime. Mon oncle. Au fond de moi, je t'ai toujours considéré comme mon héritier.
Quand cette guerre sera finie, nous l'officialiserons. Un jour, notre peuple te considérera comme son chef. Tu deviendras leur vénérable Jito, appuyé par les pleins pouvoirs du Shogun. J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait. Cela ne fait aucun doute. Nous devons terminer les préparatifs en attendant les renforts du Shogun. Quels sont vos ordres ? Il faut renforcer mon armée. Aide ton ami à convaincre les habitants de Yarikawa de rallier notre cause. J'irai rejoindre Yuna. Quand tu seras prêt, rejoins-moi au camp d'étape de Kubara. Ensuite, nous reprendrons mon château à Kotun-Kan. Et nous sauverons l'île. En tant que père et fils, le Shogun en personne célébrera notre victoire. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Si Lokan me faisait prisonnier, je me supprimerais.